Bonjour. Foire de Paris, donc à l'espace Coquin, nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez alors déjà de cet espace, l'idée? Ben, moi je trouve que l'idée est géniale, je trouve que l'idée de faire ça en fait c'est très très bien parce que du coup on va au-devant des gens, on est un peu au-delà de ce qu'ils trouvent en général et il y a une vraie demande en tout cas, donc c'est plutôt drôle en tout cas et sympa de les accueillir dans cet espace. Quelle est la réaction justement? Les gens sont choqués ou pas? Non, les gens ne sont pas choqués. Les gens rigolent beaucoup, souvent c'est parce qu'ils sont mal à l'aise, mais nous on est là en fait pour les rassurer, pour leur expliquer en fait tout ça. Et puis non, ils sont vraiment contents, donc on se marre bien, on passe des bons moments et il y a des belles surprises en tout cas. Vous avez la chance d'avoir beaucoup de femmes aussi, là, peut-être plus que dans d'autres lieux habituels d'érotisme, de produits érotiques sur des maisons. Pas spécialement, en fait ce sont beaucoup des couples qui viennent là. Donc c'est principalement des couples à partir de 20 ans à peu près, entre 20 ans et on a jusqu'à à peu près 80 ans. Et c'est beaucoup de couples. Donc, on s'adresse à eux de la même façon qu'on s'adresse en fait dans notre boutique habituellement déjà. Ils viennent surtout voir ou il y a beaucoup d'achats? Les deux en fait. C'est-à-dire qu'ils viennent voir au début et puis en général ils repassent en fin d'après-midi en se disant bon ben voilà, on va certainement pas franchir le pas d'un sex shop traditionnel. Donc en fait on va venir ici et là on trouvera des choses pour s'amuser. C'est monsieur qui achète pour madame ou madame achète directement? Oh, c'est souvent monsieur qui achète, on est quand même un peu sur là-dessus. Les hommes aiment bien que ce soit eux, en fait, le fait qu'ils payent, ça les responsabilise et ça leur donne l'impression en fait de faire vraiment partie du jeu. Mais après les femmes aussi font des cadeaux à leurs hommes, ça c'est plutôt rigolo. Voilà. Qu'est-ce qu'ils se demandent le plus là? Quels sont les produits phares, si on peut dire? Les jeux à deux, les jeux qu'on partage à deux en fait, c'est-à-dire tout ce qui inclut vraiment l'homme, vraiment l'échange, ça c'est ce qui plaît le plus, et jouer avec des télécommandes aussi, ça plaît beaucoup. C'est-à-dire que là pour le coup on est vraiment sur un jeu ludique, une complicité en fait dans le couple, et puis après tout ce qui est huile de massage chauffant par exemple, des bougies de massage, donc des choses assez sensuelles malgré tout. Ah bah de toute manière, nous, on ne vend pas des choses dans le hard. Après, c'est la façon dont on les utilise, la façon dont on les présente, en fait, qui fait que c'est hard ou pas. Nous, on est plus, en effet, dans la sensualité, dans l'éveil des sens et vraiment le partage, en fait, dans le couple. Donc, nous, on essaye de faire en sorte d'apporter un petit plus à un couple qui va déjà bien, en fait, en moyenne. Voilà. Alors, on vous retrouve, vous avez une boutique en ligne? On a une boutique en ligne, oui, dollhouse.fr, et on a également un site une boutique dans le Marais, au niveau du métro Saint-Paul. Voilà, je vous en prie. Merci.